sur ré, fa sur sol, mi sur mi, mi sur la, fa sur ré, fa sur sol. Donc j'aimerais maintenant vous montrer dans le détail comment on peut approcher la traversée d'un ensemble d'accords par une seule et même note. D'abord, une petite explication sur la construction de ce morceau très simple, mais qui est un morceau tonal, à savoir qu'il est basé sur une tonalité principale qui est la tonalité de Do majeur, avec donc gamme de Do majeur comme gamme support. Et toute la première partie, ce qu'on appelle le A, est bâtie principalement avec les notes de la gamme de Do majeur, avec une petite exception près. Donc les notes de la gamme de Do majeur, c'est toutes les notes non altérées. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et il y a un accord sur lequel on utilise une note extérieure à cette gamme, qui est donc Mi bémol, Mi bémol. Et un autre accord, on utilise Do dièse. Mais tout le reste du temps, on utilise les notes de la gamme de Do. Et pour autant, dans toute la première partie qu'on appellera le A, on est dans la tonalité de Do majeur. La mélodie avec les accords, je pour rappel, etc. Donc, quand on a une note à faire traverser, ma préconisation, c'est d'abord de commencer par des notes fournies par la mélodie et des notes qui sont saillantes dans la mélodie. L'exemple donné au violon, c'est la note La. La. Voyons comment cette note, par exemple, est perçue par rapport à chacun des accords. Pour ça, je vais vous chanter la note La. Et à chaque fois, je vais vous chanter la fondamentale de l'accord en indiquant son nom, tout simplement. Par exemple, sur le premier accord, on aura La sur Do, La sur Do. Puis on aura La sur Sol. Puis de nouveau La sur Do, La sur Sol, La sur Do, La sur Sol. Puis ensuite on aura La sur Mi, La sur La, La sur Ré, La sur Sol, La sur Mi, La sur La, La sur Ré, La sur Sol, et La sur Do pour finir. Cette note traverse tous ces accords. Pourquoi ? Parce que soit elle fait partie des accords eux-mêmes, qui sont tous des accords à quatre sons, donc les quatre notes de base de l'accord, fondamentale, tierce, quinte, septième, cela, sur certains accords, fait véritablement partie de l'accord. Et du coup, comme cette note fait partie de l'accord, forcément, elle va sonner, on va dire qu'elle est consonante avec cet accord, donc on pourra la conserver. Sur d'autres accords, cette note va être ce qu'on appelle une des notes de tension de l'accord, une des trois autres notes qu'on peut utiliser qui n'est pas forcément jouée dans l'accord, mais qui font partie néanmoins de la gamme. Donc je vais faire maintenant un deuxième passage en vous montrant à chaque fois ce qu'est cette note. En harmonie, on dira quelle fonction a cette note. Est-ce que c'est la fondamentale de l'accord? Est-ce que c'est la tierce de l'accord? Est-ce que c'est la quinte de l'accord? Est-ce que c'est la septième de l'accord? Donc tout ça, c'est des notes de base. Ou est-ce que c'est la neuvième? Est-ce que c'est la onzième? Est-ce que c'est la treizième de l'accord? C'est-à-dire que ces trois fonctions-là sont des notes de tension. Et je vais vous les chanter au fur et à mesure. Donc d'abord, Do, La. Le La, c'est la treizième de Do, La. Puis on va avoir La, la neuvième de Sol, La treizième de Do, La neuvième de Sol, La treizième de Do, La neuvième de Sol, La onzième de Mi, La fondamentale de La, La quinte de Ré,
La neuvième de sol, la onzième de mi, la fondamentale de la, la quinte de ré, la neuvième de sol, puis la treizième de do. Donc à chaque fois, ce que je chante, c'est comment ces notes, cette note-là plutôt, résonne par rapport à chacun des accords, et on entend qu'elle, non seulement elle fait partie de la gamme de Do majeur qui a servi à composer ce morceau, mais qu'en plus, elle s'intègre dans chacun des accords, elle n'est pas étrangère, cette note, à aucun des accords. Elle va être ressentie comme consonante. Le point le plus important, là maintenant, à comprendre, c'est quand cette note-là est carrément une note de la structure, par exemple la fondamentale de l'accord de La, bien entendu qu'elle va être consonante puisqu'elle est directement jouée par le piano. Lorsqu'elle fait partie de la superstructure, qu'elle est donc la 9e, la 11e ou la 13e d'un accord, elle ne va être consonante que lorsque cette note va se situer un ton au-dessus d'une note de base. Donc le troisième passage que je vais faire, c'est pour vous faire entendre que si j'ai pu maintenir cette note, c'est parce que même quand elle est une des notes de la superstructure d'un accord, 9e, 11e ou 13e, eh bien elle est ressentie comme stable parce qu'elle se situe systématiquement un ton au-dessus d'une note de base. Donc je refais un passage pour vous faire entendre ça tranquillement. Premier accord. La sur Do, mais La au-dessus de Sol, un ton au-dessus de Sol, la quinte de Do, La, Sol, Do, stable. Donc on peut la garder. Deuxième accord. La, neuvième de Sol, toujours pareil. La, stable, un ton au-dessus de Sol, la fondamentale. Les deux accords qui suivent sont les mêmes, donc La, La, pardon. La, stable, treizième au-dessus de Sol, sur Do. La, neuvième, sur Sol, stable. Encore de nouveau. La, treizième, stable au-dessus de Sol, sur Do. La, neuvième de Sol. Accord suivant. La, onzième de Mi. Alors, La, un ton au-dessus de Sol, la tierce de Mi. La, Sol, Mi. Sur l'accord suivant, c'est la fondamentale. La sur La, elle est à l'intérieur, aucun problème. Puis on a La sur Ré, c'est la quinte de l'accord de Ré, elle est à l'intérieur, on l'entend consonante. La, neuvième de Sol, stable, un ton au-dessus de Sol. Puis de nouveau, La, onzième de Mi, La, stable au-dessus de Sol, tierce de Mi. Puis La fondamentale de La, La quinte de Ré. La, pardon, la quinte de Ré, oui. La neuvième de Sol, puis de nouveau, retour au premier accord. La treizième de Do, La stable au-dessus de Sol, la quinte de Do. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'informations, mais ça, c'est le principe général de pourquoi finalement une note peut traverser. Par différence, si je joue par exemple, je choisis d'entrer le son Fa. Fa, donc j'ai mon premier accord. Do, Mi, Sol, La. Accord de Do 6. Et je choisis un son qui fait partie de la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je me dis, tiens, pourquoi je ne l'utiliserai pas comme note centrale? Je vais donc chanter Fa. Et là, on sent que il y a une tension, voire un malaise harmonique. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas consonant, qui est dissonant. Ce n'est pas un souci la dissonance, on peut l'utiliser comme tel. Mais il est intéressant d'en avoir conscience. À cet endroit-là, quand je chante « Fa », pourquoi c'est ressenti comme dissonant? Parce qu'on a « Mi », la note « Mi », la tierce de « Do »,« Mi », je vais faire en même temps le son « Fa ». Qui est un demi-ton et qui va être très attiré par mi. Fa, très attiré par mi. Donc on va, ce son, cette note-là, bien qu'elle soit dans la gamme de Do, on ne va pas la ressentir comme consonante. Par contre, dès le deuxième accord, cette note va être consonante. Fa sur Sol, c'est la septième, Sol, Si, Ré, Fa. Et
puis de nouveau sur Do. Fa, Mi, on a envie de jouer plutôt le son Mi. Donc, dans une approche comme celle-là, si on part avec le son Fa, d'entrée, on va devoir redescendre, en l'occurrence, d'un demi-ton pour aller sur le son Mi à la place du Fa. Sur les premiers accords, on aurait donc Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Puis on va avoir ensuite Mi sur l'accord qui suit, l'accord de Mi mineur, Mi, Sol, Si. Si on fait Fa, de la même manière, on entend cette même dissonance. Ce Fa, là, représente la neuvième mineure. Elle est à un demi-ton de la fondamentale à laquelle elle se rapporte. Et on va la ressentir comme très attirée. Et donc, à cet endroit-là, de la même manière, on va plutôt jouer Mi sur l'accord de Mi au lieu de Fa, qui ne va pas être ressenti comme consonant. Donc, Mi, puis sur le La, Fa. De la même manière, on a cette attirance par la quinte de l'accord de La. La, Mi, Fa, la treizième de cet accord de La, va être très attiré par sa quinte Fa, donc on va chanter le son Mi sur l'accord suivant, Fa sur Ré, c'est la tierce, Fa sur Sol, la septième, Mi sur Mi, Mi sur La, pardon, Mi sur Mi, Mi sur La, Fa sur Ré, Fa sur Sol, Mi sur Do. Donc, je refais pour finir juste cette petite explication tranquille, enfin, ou plutôt je rechante cette partie Mi et Fa juste sur le A du morceau. On commencerait par Mi sur Do, Fa sur Sol, Mi sur Do, Fa sur Sol, Mi sur Do, Fa sur Sol, Mi sur Mi, Mi sur La, Fa sur Ré, Fa sur Sol, Mi, Mi sur La, Fa sur Ré, Fa sur Sol, puis Mi sur Do. Voilà, vous avez une première explication de comment une note traverse, où doit être modifiée et pourquoi, à quels endroits. Donc je vous invite de la même façon à vous amuser à expérimenter des notes. Déjà, faites-le d'instinct à l'oreille et écoutez si ça vous semble dissonant ou consonant. Et puis, reportez-vous à la partition et regardez ce que ces notes forment par rapport aux accords. Chantez, comme je le fais, la note par rapport à la fondamentale pour réaliser qu'est-ce qu'elle représente. Est-ce que c'est une tierce, une quinte, une septième, une fondamentale? Est-ce que c'est une neuvième, une onzième ou une treizième dans cet accord? Et donc réaliser quand elle est consonante et utilisez-la comme telle. Ensuite, prenez le violon et jouez autour d'une note centrale en la modifiant quand il le faut. Et si vous voulez élaborer un petit cran de plus, vous pouvez non pas seulement jouer rythmiquement seulement cette note, mais vous amuser à l'approcher par les notes qui l'entourent, un demi-ton en dessous, ou une tierce majeure ou mineure en dessus ou en dessous pour former des petites phrases. Et vous verrez que vous aurez une improvisation qui est au besoin très riche, qui est très intéressante, avec vous pourrez construire une dramaturgie et vraiment vous tenir en haleine, vous, et rendre quelque chose de musical et d'intéressant, sans forcément avoir une élaboration ou devoir déployer une technicité difficile à maîtriser. Et pour vous le montrer, je vous propose de vous le jouer au violon sur la note Mi, qui doit d'entrée être modifiée Mi, Mi bémol. Fa sur Ré, Fa sur Sol, Mi sur Mi, Mi